Bonjour, je m'appelle Arnaud Leblanc, je suis directeur du centre d'accompagnement à l'orientation du groupe IGS et pour Parcoursup, j'ai trois conseils pour vous. Mon premier conseil, c'est de bien s'informer avant de faire ses choix sur Parcoursup. Il y aura cette année, en 2022, plus de 19 000 formations. Et pour chaque fiche formation consultée, il y a des tonnes d'informations à ingurgiter. Alors vous avez compris à travers mes propos, il ne faut pas s'y prendre un dernier moment. Et le mot d'ordre, c'est anticiper. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'utiliser tous vos vœux sur Parcoursup. Je vous le rappelle, vous avez le droit à 10 vœux maximum et 10 supplémentaires si vous choisissez des formations en alternance, en ayant aussi à l'esprit qu'un concours commun, par exemple pour des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, compte que pour un vœu, quel que soit le nombre d'écoles que vous choisissez à travers ce concours. Ayez aussi à l'esprit que beaucoup de formations proposent des dispositifs en dehors de la plateforme Parcoursup, et là, sans limitation du nombre de vœux. Donc mon conseil, c'est de diversifier vos choix pour une meilleure poursuite d'études. Mon troisième conseil, et non des moindres, est de respecter scrupuleusement le calendrier et les dates butoirs imposées par la plateforme Parcoursup. En effet, chaque étape est timée avec des dates butoirs qu'il convient de respecter à la lettre. Le non-respect de ces délais ou de ces dates butoirs invaliderait vos vœux ou votre admission. Donc vigilance et réactivité sont les mots d'ordre. À vous de jouer.